vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale, les banques connaissent la faillite, le petit commerce cache une arme derrière son comptoir. Partout on voit les voyous déferler dans les rues, personne ne sait pas quoi faire, on est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes, comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal, pique mal. Ça se déglingue, ça vaut bien que tout partout se déglingue, alors forcément on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence le monde où nous vivons il sera petit. C'est tout ce qu'on sait dire, c'est pitié qu'on nous laisse tranquille dans notre living room, épargné mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Si je dirais rien mais qu'on me laisse tranquille, eh bien moi je ne serai pas tranquille. Je veux qu'on s'en y ait marre. Je n'exigerai pas de manif, pas d'émeute. Je ne demande pas d'écrire à votre député parce que je ne sais même pas de quoi on a se plaindre. Je ne connais pas de recette pour stopper la crise ou l'inflation ou la Russie ou le crime et la délinquance. Tout ce que je sais, c'est que d'abord, il faut que vous en ayez marre. Je veux que vous disiez, je suis un être humain, bon Dieu de merde. Ma vie à moi de la valeur.